Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, plus précisément vlog voyage. Donc si vous avez suivi la vidéo précédente sur le vlog à Londres, j'ai précisé dedans, donc sur la fin de la vidéo, que j'allais me rendre d'ici quelques heures, donc là actuellement dans moins de 3 heures, sur le Queen Mary 2, donc 2, bateau de croisière à destination de New York, donc aux États-Unis. Donc je vais vous faire visiter un petit peu le bateau, les lieux insolites. Également, je vais m'entraîner un petit peu donc avec deux guitares que j'ai prises. J'ai pris avec moi deux acoustiques, une classique et une folk. Et puis voilà, donc là, écoutez, je vais ranger mes affaires, finir mes valises. Et puis on se retrouve tout de suite sur le quai du Queen Mary pour en voir un petit peu plus. Voilà, donc ça y est, je suis arrivé dans le hall. Je suis passé au check-in, donc pour les bagages, la fouille complète, enfin tout le tralala, vous connaissez, c'est comme dans les avions, donc la marche à suivre est la même. J'ai pas filmé donc quand j'étais dans le hall pour effectuer ce genre de démarche-là, parce que, un, c'est pas intéressant, deux, il y a plus de 2500 passagers, donc il y avait énormément de monde et de bruit surtout, donc ça aurait servi à rien que je filme. Donc là, je suis dans le couloir, je vais monter donc à l'intérieur du bateau. Et je vais vous montrer directement donc ma chambre. Donc on va découvrir ensemble la chambre. À tout de suite. Donc on est ici dans le couloir. Je vais entrer dans la chambre avec carte. Bienvenue dans ma chambre. Donc je vous fais visiter. Donc voilà le lieu. Donc j'ai triché, hein. Je suis rentré avant pour revoir quand même. J'étais impatient de voir la chambre. Donc ça c'est la cabine principale. On a ici donc un fauteuil. C'est sympa, ils nous ont offert une bouteille de champagne de coupe, sauf que je vois pas de champagne, c'est ballot. Ici on a le bureau avec la télé. Voilà, ici donc pour ranger les bagages. On va retrouver ici donc la salle de bain. Hop, on va allumer. Donc voilà la salle de bain, les toilettes. On s'en fout un peu les toilettes. Et ici donc la douche. Voilà. Donc c'est assez grand, c'est assez spacieux pour une cabine. On se croit dans un tout petit, vraiment petit studio. Voilà, mais écoutez, je vais vous. Bon, enfin moi je vais m'installer bien comme il faut. Je vais visiter un petit peu les lieux. Je vais prendre quelques photos comme ça vous allez voir l'intérieur du bateau. Et je ferai des vidéos et beaucoup de photos régulièrement. Lors de mon séjour, avant cette semaine-là, donc je filmerai sur quelques endroits. Allez, c'est parti pour la visite. Thank you.
Donc là, il est 20h10, donc je suis en train de me préparer, c'est-à-dire je prends une petite douchette, je vais m'habiller, tenue tranquille, pantalon à pinces, petit polo, et je vais aller directement donc au resto pour manger. Donc on va voir ce qu'il y a dans la carte, ce qu'il y a au menu, et je vous prends une photo de ce que j'ai pris à manger. À tout de suite. Alors, je vous montre que c'est un petit déjeuner de champion. On a ici pain perdu avec pancake, sirop d'érable, des œufs pochés et des fruits. On a melon d'hiver, melon, pastèque, poire, abricot, ananas et un petit jus de pomme. Salut, on se retrouve. Donc, je vais vous faire visiter quelques petits endroits du Queen Mary. Donc, visite guidée. Bon, il y a plein de choses à voir, c'est assez grand, hein. Donc je vais faire rapidement quelques endroits insolites. C'est parti. Morning, sir. Alors, on va prendre l'ascenseur. Bon, finalement, on va prendre les escaliers parce que l'ascenseur c'est trop long. Il y a énormément de monde, il y a 2600 passagers. Donc, du coup, quand on prend l'ascenseur, en fait, on attend 3 heures, quoi. Donc, on prend des escaliers, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est juste mieux. Moi, je suis au sixième étage en fait, donc on va descendre tout ça. Alors, donc là, on était tout à l'heure dans la salle de danse, en fait. C'est là où il y a tous les ballets du soir, les soirées dansantes. Là, c'est la boîte de nuit, en fait. Donc, on est l'après-midi, là. Je vais visiter l'après-midi, mais on verra ce soir ce qu'il y en est. Donc, G32, donc petite boîte de nuit sympa. Vous voyez? Donc là, c'est cool parce qu'il n'y a personne, donc c'est relativement calme. Comme ça, je peux vous faire visiter. Mais j'essaierai de vous faire voir ça un soir quand j'irai. Donc ici l'ambiance est plutôt cool, hein. Mais voilà, si je peux, je vous ferai voir comme j'ai dit directement donc je ferai voir directement la boîte en temps réel, voir comment ça se passe. Donc là, je vais continuer, on va aller voir, enfin visiter, on va aller visiter d'autres lieux du bateau. Donc je sais pas par lequel je vais commencer, j'irai par les endroits où je passe. Allez, on est parti, on continue.
Donc là, je viens de sortir de la salle où il y a le ping-pong avec la piscine intérieure. Donc là, on est sur le pont. Et là, on va monter encore plus en haut, au 13e étage. Voilà, donc là je suis rentré de nouveau parce que dehors il y a le vent qui commence à se lever, donc ça commence à cailler. Donc je vous ai fait visiter un petit peu donc différents coins du bateau. Je vais rentrer dans la cabine, prendre une petite douche et puis on se revoit un peu plus tard. Je vous montrerai donc d'autres endroits tels que la boîte de nuit si j'y pense, surtout si j'ai le temps. Donc en action, le cinéma et d'autres endroits insolites du bateau. Voilà, allez, je vous dis à plus. Donc là, je suis passé par un autre endroit parce que c'était galère avec, enfin pour les accès avec l'ascenseur. Donc là, on est dans un hall d'entrée. Ah oui, donc ici, c'est le théâtre. Pièce de théâtre, très jolie. Voilà, donc ici, c'est un lieu que j'aime bien venir le soir. Il y a également le cinéma qui est pas mal, je vous le montrerai après.
Voilà, allez, on va aller sur une autre pièce. Salut tout le monde. Alors ça fait à peu près un peu plus de 2 jours que je suis en mer, 2 jours et demi, donc j'ai pas fait beaucoup de vidéos, voire pas du tout, parce que ça fait tout simplement 2 jours que je suis hyper malade en fait, je dégueule et j'en peux plus. J'ai mal de mer, ça bouge énormément, il y a des creux de 6 mètres, donc c'est pas évident à gérer, donc là ça va un petit peu mieux. Donc là ce soir c'est soirée costumée, donc smoking, on va avoir le rendez-vous avec le commandant, pouvoir lui serrer la main directement, donc je vais essayer de prendre des photos de ça. Et après, ça va être soirée danse. Donc voilà, et à partir de demain, j'espère que la mer sera un peu plus calme et j'espère donc pouvoir prendre quelques vidéos des différentes activités. Allez, c'est parti, je vais me préparer. À plus. Ça, c'est les bateaux de sauvetage au cas où, on ne sait jamais. Voilà, il y en a plein partout. Donc ils sont assez gros et il y en a vraiment. À chaque fois que je mets une au-dessus, regardez. Il y en a 1, 2. Il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein, plein, plein. Donc voilà, parce qu'il y a quand même, encore une fois, je répète, plus de 2600 passagers, donc c'est énorme sur un yacht. Donc il faut de quoi se couvrir au cas où. Mais bon, il n'y a pas de risque. On va rentrer dans une des salles des restaurants. Il y a à peu près une dizaine de restaurants sur tout type de nourriture, que ce soit anglais, asiatique, même fast-food, il y a vraiment tout. Là, on va rentrer dans un restaurant qui est en fait un self-service, donc service à volonté. Donc comme ça, vous allez pouvoir un petit peu voir comment ça se déroule. Thank you.
Dans le rayon sushi, alors ça c'est mon point préféré. Je suis ressorti du restaurant, donc vous voyez, c'est juste un restaurant. Mais encore, j'ai pas fait tout le tour parce qu'il y avait tout le monde, et puis vraiment, les gens commençaient à être assez agacés que je filme. Oui, les gens ils sont en croisière, donc ils sont pas commencés à filmer, donc je comprends que ça vous dérangeait. C'est pour ça que j'ai fait un peu tout. Vous voyez que le restaurant est relativement riche en termes de plats. Donc je suis sans proposer, juste pour un instant. Donc, c'est relativement assez complet. Les brunchs, les repas du midi, du soir. Voilà, donc on va continuer la visite sur autre chose. Allez, à tout de suite. Actuellement au travail, en train de se casser le cul au boulot, se faire emmerder par leur patron. Je vous souhaite bon courage. Et j'ai beaucoup de compassion. Regardez-moi ça. Si c'est pas merveilleux. Voilà. Donc je profite de ma petite croisière. Nous sommes aujourd'hui samedi, on arrive mardi matin à New York. Donc voilà, je profite sur le temps qui me reste. À lézarder au soleil. Elle est partie. Donc là, je suis retourné dans un des couloirs par lesquels j'étais passé, où il y a les chambres. Tout simplement parce qu'on va accéder à l'arrière pour changer un peu, parce qu'il y a tellement de monde là. C'est un peu le bordel en bas, donc je vous ferai visiter d'autres pièces plus tard. Là, on va aller sur un coin intéressant, c'est le coin fumeur. Bon, moi, je fume pas, mais c'est un coin intéressant dans le sens où, c'est où il y a un des balcons, il y en a plusieurs, tout autour du navire. Et donc là, il y a le balcon avec l'espace piscine, jacuzzi, donc c'est intéressant à voir. Allez, on visite. Hop. Donc là il y a même les attractions pour les gamins.
Et là, donc, on rentre sur la terrasse. Donc en fait ici on était dans la pièce, la salle de jeu en fait. Il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent se réunir pour faire un scrabble, partie d'échecs, puzzle et autres. Donc c'est une sorte de salle de détente. Donc là nous sommes dans le cybercafé en fait. Bon, je crois que si je dis pas de conneries, on va être dans des musées là. Ah, il y a pas mal de trucs hein, dans ce bateau, il y a vraiment de tout. Il y a même des pièces que je n'ai pas encore faites. Hein. Voilà, ça c'est les salles pour les stages, parce qu'il y a des stages et des conférences. Toute la journée en fait, tous les jours. Donc là, bon, je me suis paumé de nouveau, ce qui n'est pas du tout étonnant. Donc je vais essayer de trouver un autre moyen de voir d'autres pièces et on se retrouve tout de suite. J'éteins la caméra pour le moment.
Donc, là, en fait, on se retrouve dans une bibliothèque, en fait. Donc, une bibliothèque. Donc là, on se retrouve en fait dans une bibliothèque. Il y a pas mal de bouquins. Donc, c'est des bouquins qui sont louables gratuitement pour ramener en cabine. On va tout simplement lire ici. Ensuite, on vient de les ramener quand on veut. Donc là, je suis arrivé de l'autre côté du bateau et on va filmer la salle de fitness, donc la salle de sport. This stuff here. Donc la salle est petite mais relativement complète, il y a pas mal de machines, pas mal de choses pour faire du cardio. C'est plutôt cool sur un bateau d'avoir ce genre de salle là pour pouvoir s'entretenir tous les jours. Thank you.
Yeah. Yeah, I'm up at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down 8th Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up at Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my tie, sitting courtside, Knicks and Nets give me high fives. Nigga, I be spiked out, I can trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from La croisière est terminée, je suis arrivé donc à New York. Il est 8h du mat, donc d'ici une heure ou deux, grand max, on va débarquer. Donc là, je viens de finir de ranger mes affaires. Et puis voilà, donc la croisière est terminée. J'espère que ce petit vlog que je vous ai fait partager donc, tout au long de cette croisière transatlantique vous a pu faire découvrir plein de nouvelles choses. Le lieu, le Queen Mary 2 en particulier. J'espère que vous aurez apprécié ce vlog. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, laissez des commentaires, n'hésitez pas à faire partager la vidéo. Et puis de là, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog, toujours dans le cadre voyage sur New York. À bientôt, ciao.